ambassade américaine à Washington. Moi, c'est Jacques Lambélizier. Il y a un plaisir, l'autre fois, encore pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de nan ki lè et qui côté wap gade et tande édition journal sa. Déjà, m'ap dou bienvenue, côté ken pral partage ensemble avec vous quelques informations qui ont dominé l'actualité aujourd'hui. Nous pas pour émouté, mais si vous abonnez avec channel la kounya même, j'ai que vous regardez sous écran, nous garantissons n'a toujours kembe ou pour capable rester informé de tout ce qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Donc abonnez-vous pour capable toujours au courant à chaque fois que nous venons avec une nouvelle vidéo sur channel là. Nous connaissons pressé, c'est peut-être ça n'a pas été directement dans nouvelle nous pour aujourd'hui. Et après, n'a pas tourné pour reste détail. Et nouvelle là, partie comme ça. Actualité à concernant le pays d'Haïti, député haïtiano-américain Sheila Sherfilis McCormick mandé pour Premier ministre Ariel Henry démissionner. Minute silence en Israël, la mémoire plus passé 1400 personnes qui étaient péri dans l'attaque militaire Hamas 7 octobre 2023, pendant que plus passé 10 000 personnes qui mourent dans Gaza d'après Hamas. Et puis, secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé dans le pays Japon pour sommet G7 Hiroshima. Mesdames et Messieurs, c'est point ça y avec l'autre qu'on va développer pour dans un petit moment. Aujourd'hui, c'est mardi 7 novembre 2023. Ça fait un mois depuis la guerre a déroulé entre Israël avec Hamas. Mais nous prenons un point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. Et bien, concernant Haïti, il y a un député haïtiano-américain Sheila Sherfilis McCormick qui dit que le Premier ministre Ariel Henry a dû démissionner. Il te répond à une question, Valérie Saint-Louis. Thank you so much for having me. Kontan pou lazo jen. Dans une interview que li accordé VOA Creole, député haïtien américain Sheila Sherfilis McCormick parlait de force multinationale. Son réveil dans la guerre pour courage li ak bon travail la peine dans mon cinéma. Jean-Marc Hervé Abila, Treasure Coast pour VOA Creole. Merci Jean-Marc Hervé Abila. Nous sommes pratiquement arrivés dans le fin programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous essayer. Pas oublier, nous avons rendez-vous vendredi prochain et avec un programme spécial dans l'occasion Jour Vétéran. Anciens combattants, femmes et garçons, qui étaient combattants avec uniforme les États-Unis en bas drapeau américain qui ont été défendus intérêt pays. Donc, nous disons tout le monde merci pour attention, merci pour fidélité. Nous voulons. C'est là que nous mettons fin à la vidéo pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui avez regardé la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Donc, yon nan façon capable de prouver que vous appréciez le travail, ça, c'est le que vous quittez un like sous vidéo, qui dit que vous remet information que nous sommes partagés ensemble avec vous dans la vidéo, ça, jeudi. Et le que vous abonnez ensemble avec la chaîne là tout, ou dit que ensemble nous capable bâti yon communauté ensemble, et laisse ça ou fait que nous débordé avec la joie. Donc, abonnez-vous et puis activez la cloche là pour capable recevoir yon notification dans main YouTube à chaque fois que nous même nous portons une nouvelle vidéo sur la chaîne là. Et partagez vidéo aussi par yon l'autre ami comme ça li même tout la capable gagner information dans bon timamite même j'ai ensemble avec. Donc malé tout le monde, rendez-vous avec nous c'est pour une autre vidéo d'information sous même channel ça.